Tu vas ouvrir le fichier 5_009 underscore door window schedule pratique et tu vas trouver ce fichier, le bâtiment administratif. Nous allons faire une nomenclature de portes et de fenêtres pour ce fichier. Nous avons ici deux niveaux, niveau 1, niveau 2, et des portes et des fenêtres sont présentes dans chaque niveau. Nous allons maintenant les lister en utilisant Schedule Quantity. Cliquons sur Schedule Quantity, New Schedule, nous allons cliquer sur Doors, valider OK et demander à avoir le level. Family and Type, Marque. Dans Sorting Grouping, nous allons demander la famille et le type, en tête et pied de page et les grands totaux, en prenant juste Total uniquement, et nous allons valider OK. Nous avons ici la nomenclature des portes. Nous allons maintenant modifier cette nomenclature de portes et aller dans Sorting Grouping. Et ici, nous allons, dans les totaux, demander le titre, le compte et le total. Et nous allons valider. Nous avons ici un total de 84 portes à l'intérieur de ce document. Fermons. Effectuons un clic sur Schedule Quantity, prenons New Schedule, en catégorie choisissant Windows, validons OK. Demandons au niveau des champs disponibles le niveau, la famille et le type, et la marque. Au niveau Sorting Grouping, nous allons demander famille et type, en tête et pied de page, les grands totaux, avec titre, compte et total, et nous allons valider OK. À l'intérieur de ce document, nous avons 53 fenêtres. Toutes les fenêtres sont du même type. Tu viens de réaliser ici une nomenclature de portes et une nomenclature de fenêtres.